Bonjour monsieur, je suis Joël Batz, je viens pour l'annonce pour garder le square. Quelles sont vos qualifications? J'ai fait du football et on m'a sacré meilleur gardien de but en 1984. Vous êtes engagé! Je m'appelle Joël Batz et je suis gardien de la ville de Paris. En Alsace, j'arrêtais des pénalties. Quand j'étais au PSG, je me suis bien amusé sur tous les terrains de France et de Navarre. Ma claquette a fait ma gloire, je bondissais comme un jaguar. C'était bien, j'étais content. Mais pour moi, aujourd'hui, le coup c'est bien fini. Je suis beaucoup trop vieux pour faire rêver les petits. Oh mon Joël, es-tu si sûr de toi? Es-tu heureux sans ballon dans les bras? Tu es vieux dans ton corps, mais tu es jeune dans ton cœur. Et le bonheur du ballon efface toutes les rancœurs. Oh mes amis, vous êtes bien gentils, mais je ne suis pas né de la dernière pluie. Pour moi le paradis ne se trouve qu'ici, au milieu des oiseaux et de mes copains les fleurs. C'est pas la peine de te fermer les yeux, pour les enfants tu es encore mieux. Allez rechauffe tes gants Joël et va faire rêver. Oh mes copains, ce que vous êtes bons, peut-être avez-vous raison. Mais pour reprendre ma carrière en main, je n'ai besoin que d'un signe du destin. Oh, y a quelque chose d'écrit sur ce ballon. Bonjour Joël, bah c'est moi, bonjour. On est très en danger, les méchants ballonmen sont à nos portes. Au secours, viens nous aider, au secours. Joël, si les ballonmen sont sur terre, il faut les arrêter. Ce ballon vient du Havre, tu dois y aller tout de suite. En fait, tu rigoles, c'est beaucoup trop loin, et en plus j'ai peur de prendre l'avion. Pas de problème mec, on s'en occupe. Quoi? Jacqueline, venez dans mon bureau tout de suite. Vérifiez si nous pouvons licencier 1 million de personnes de plus. Mais qu'est-ce que... Oh. Je tiens pas sur mes guibolles aujourd'hui. Ouh, tu parles d'un atterrissage. Bon bah moi je vais vous laisser, hein. J'ai du travail. Mais attendez voir, je crois que vous oubliez quelque chose. Non quoi? Remongeons le sol. Sérieux, si tu me retouches encore, ça va chauffer. Je m'en fiche, il y a une autre sortie par là. Oh. Pas peur de toi. Tiens à toi, crapule. Cette fois, c'est toi qui vas la prendre, la porte. Tu ferais mieux de rester couché si tu veux pas y retourner.
c'est comme ça. Aïe, aïe, ouh, aïe. Et qu'est-ce que vous allez faire de moi maintenant? Je suis encore tombé, moi. Attention, étranger, tu me marches sur une couille. Excuse-moi, monsieur. Mais où suis-je? Et qui êtes-vous? Je m'appelle Bob Marley. Je suis retenu ici, prisonnier, par les patrons de DFGDF. Pour avoir dénoncé le fond d'esclavage dans lequel la masse dirigeante maintient le peuple et... Le grand capital est une horreur, tu m'entends, Joël? Un grand manège d'égoïsme irresponsable et crapuleux. Une source d'injustice. Une fourberie dominatrice. Ce ne sont que quelques puissants qui en profitent au détriment des autres. Les hommes se croient libres, Joël. Ne sont que passifs. Mais c'est donc vrai ce que tu dis? Si, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a un moyen d'y remédier? Ah, j'ai bien une idée. Il faudrait attendre la salle des machines, mais... Tu sais, je suis prisonnier ici depuis plus de 150 ans. Tu peux me croire, j'ai tout essayé pour sortir d'ici. Tout. Mais il n'y a aucune issue. Aucune. Très bien, allons-y. Oh non! Un mur! Oh non! Il y a un mur! Comment on va faire? Vieillard! Quel est le chemin à présent, Vieillard? T'es où? Pas de blague, Vieillard, hein? Il n'y a que toi qui connais le chemin pour aller à la salle des machines! Vieillard! Ouh! Attends, Joël! Attends, Joël! Je suis en train de tourner cette valve afin d'augmenter la pression jusqu'à la chaudière centrale de l'usine! Ok, ça marche! Ma parole, ce vieillard met ma boule! Tout va finir par exploser! Attends, vieillard! Vieillard! Cours, Joël! Ça va exploser! Wow, 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 wow. Ouf. Sacrée explosion, hein. Vieillard ? Vieillard, où tu es ? Joël ! Vieillard ! T'es là ! Ça va ? Joël. Oh là là. Ouh. Merci, Joël. De rien. Grâce à toi, la tyrannie du patronat n'existe plus. Et les hommes pourront enfin vivre libres et égaux sur cette terre. Merci, Joël. Je sais. Allez, va. Adieu. Sacré vieux bonhomme. Puissent les hommes se souvenir longtemps de ce que tu as accompli pour eux. Flash spécial! Les ballonmen font la bagarre au Havre. Ils ont envahi le stade des Chazots où ils déciment les joueurs et le public. Quelle histoire, mes amis! Sapristi! Mais c'est le vaisseau mère des ballonmen! Nom d'un ballon! Il télétransporte les joueurs du hack dans une autre dimension! Ces gars-là méritent un carton rouge!
Hé hé, raté. Et hop, hop, tiens, prends ça. S'écraser sur la lune! Allez hop, c'est difficile de descendre, moi! Waouh! Oh! Aïe! Oh! Oh! Aïe! Oui! Ah! Ouf! Oh là là! Oh! Yeah. Oh! Bah tiens, un dinosaure maintenant! Bah, on m'avait pas dit qu'il y avait des dinosaures sur la planète Lune! Bonjour, vous allez bien? On n'a pas été présenté, je crois! Tiens, tu connais l'homme de Cro-Magnon? Tiens, tu vas goûter à mes gants de but! Calmos, Dinoman! Notre ami Joël a bien mérité de savoir la raison pour laquelle il se trouve ici. Mon Dieu! Mais cette voix, je la reconnais! C'est Michel Platini! Eh oui, Joël! C'est bien moi, Michel Platini! Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'on fait sur la Lune, Platini? Et qu'est-ce qu'il me veut, ce dinosaure? Dis-moi, t'as rien à voir avec les ballon-men, j'espère? Pas toi, hein? Je vais tout t'expliquer. Mais d'abord, laisse-moi te montrer une de mes petites inventions. Une télécommande. Une télécommande? La Lune n'est pas un jouet, Platini! Si, Joël, la Lune sera mon jouet! Je vais shooter dedans et détruire la Terre. Je deviendrai ainsi le plus grand buteur de l'univers. Bah, il est complètement nul ton plan. Tu diras bonjour au fond du cosmos de ma part. Allez, à nous deux maintenant. À nous deux. Postérité. Mais pour l'amour de Dieu, non! Du football, il ne va tout de même pas déjouer mes plans. Allez hop! Ah, j'ai réussi! Il ne va tout de même pas! Essaye de l'attraper celle-là, Platini! On se reverra, Joël Batz, et cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas.